Les amis, je suis très contente de vous retrouver. Après cette absence sur le mois de septembre, j'en suis désolée. Mais voilà, je vous avoue que j'ai rechuté et que j'avais zéro élan vital. Beaucoup de symptômes dépressifs, ce qui fait que j'ai réussi tout de même à faire mon sport, manger également, mais aucun élan vital pour le reste. Donc voilà. Écoutez, là, c'est pas la folie. J'essaie de me remettre dans le bain parce qu'en fait, si j'attends d'avoir l'envie de faire les choses, je ne les fais jamais. Donc, on essaie de faire l'effet boule de neige. Là, j'essaie de m'activer un peu. Je reprends YouTube, même si je vous assure qu'à chaque fois, j'ai l'impression que je ne sais plus faire. Au final, ça finit par revenir au fur et à mesure du temps. On va dire qu'avant, je me maintenais sur un 50-50, c'est-à-dire 50%, je suis à peu près stable. 50%, j'ai des symptômes dépressifs. Là, j'avais que 10% de jours à peu près stables contre 90% de symptômes dépressifs tout le reste du temps. Donc écoutez, aujourd'hui, je vais aller chez le coiffeur parce que voilà, je ne pouvais pas me saquer. Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai coupé plein de bouts de cheveux. Ce qui fait que j'ai clairement une, on peut le dire, une coupe mulet quasiment, là, enfin une frange panoramique. Je vais aller chez le coiffeur une bonne fois pour toutes parce que là, au bout d'un moment... Il faut aller chez le coiffeur, ça va faire un an que j'y suis pas allée, donc je vais refaire un balayage parce que voilà, et je sais pas, en termes de coupe, je sais pas, sachant que je trouve qu'ils ont bien poussé, et est-ce que je recoupe pour cleaner parce que c'est de la paille, je sais pas trop, mais voilà, je vais essayer de vous raconter un peu ce qui s'est passé ces derniers temps au fur et à mesure de ma journée, je vais vous montrer des choses un peu sympas aussi. Pour ne pas que ça tourne que autour de la santé mentale, j'ai un peu me pomponner et bien m'habiller. Voilà, je vais faire une journée un peu coquette aujourd'hui. Je pense que voilà, ça va me faire du bien. J'espère que de votre côté, vous allez bien. J'ai reçu pas mal de messages et je suis encore une fois désolée de répondre avec autant de retard. Je sors un peu la tête de l'eau, donc je vais répondre au fur et à mesure. Et voilà, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Dire que dans mon dernier vlog, je vous disais que ça y est, je vais reprendre le rythme. C'est un échec, hein, comme à chaque fois. En fait, je remarque à chaque fois que je... Comment dire, que je suis contente parce que ça va mieux. Il ne faut jamais parler trop vite, en fait. Ça revient à chaque fois. Mais écoutez, j'ai eu des solutions, notamment... Enfin, des solutions, je ne sais pas, mais on verra. Mais j'ai voilà, j'ai vu ma psychiatre et ce qui va se passer, c'est que là, j'ai eu tout un tas d'examens à faire, notamment IRM, analyse de sang et tout ça, et que je vais être redirigée tout simplement vers un centre qui s'occupe des dépressions résistantes, parce que là, ça commence à bien faire. Et là-bas, il y a d'autres solutions qui ne sont pas proposées dans un cabinet libéral dont je vous avais parlé, notamment la sismothérapie. Merci d'ailleurs pour vos retours concernant la sismothérapie. Vous m'avez conseillé de prendre des compléments alimentaires de la swaganda, je crois que ça s'appelle comme ça. Je vais regarder si c'est compatible avec mes antidépresseurs et je vais essayer de commander ça parce que vous avez été plusieurs à m'en parler. Voilà, et donc on va voir après ce qu'il me propose, mais donc ce qu'elle m'a dit, c'est qu'il y a quand même d'autres traitements. Voilà, la stimulation transcrânienne, la sismothérapie, la kétamine par spray nasal. D'ailleurs, l'une d'entre vous était venue m'en parler sur Insta de ce centre et en fait elle avait raison. C'est, je pense, là-bas que je vais aller. Quand même beaucoup aller au cinéma. Voilà, ça me fait du bien. J'ai vu Le Comte de Monte Cristo, il était temps, je ne l'avais pas vu encore. J'ai vu Flo également, ça je vous en avais parlé. J'ai beaucoup aimé, j'ai été très émue, je vous le conseille. Et hier je suis allée voir Interstellar au cinéma, qui est l'un de mes films préférés. Et c'était exceptionnel, voilà, parce qu'à l'UGC où je vais, ils rediffusent en fait des films anciens. Donc vraiment, il y a pas mal de films. Par exemple, il va y avoir Black Swan.
Interstellar, Le Parrain, enfin voilà, je vous dis des choses un peu aléatoires. Mais du coup, c'est génial de pouvoir redécouvrir un peu des classiques au cinéma avec le son du cinéma, ce qui est quand même plus sympa. Et je vous fais un petit point, Mimi, elle va mieux. Je vous avoue que je suis désolée, mon siège Queen. Elle va mieux, voilà, on a vraiment écouté vos conseils en termes d'alimentation. Elle a été nourrie du coup à la dinde, aux légumes et au riz pendant un certain temps. Elle a continué de se gratter. Elle avait du coup le traitement donné par la vétérinaire, donc un anti-inflammatoire. Elle a continué de se gratter, bien sûr. Du coup, elle était bien traitée hein, pour tout ce qui est puce, etc. Là, on vient de terminer le traitement anti-inflammatoire. Et écoutez, j'ai l'impression qu'elle se gratte un peu, mais voilà, quand même pas les mêmes proportions, ça va quand même beaucoup mieux. Nous a fait une petite infection urinaire aussi. Voilà, c'est plus calme aussi pour Mimi, donc je suis très contente. Écoutez, on va se laisser vivre. Quand je peux, je serai là, et quand je peux pas, je serai pas là, mais... Voilà, en tout cas... Désolée pour la régularité qui n'est pas exemplaire, mais sachez que dès que je vais mieux, la première chose que j'ai envie de faire, c'est d'être ici, voilà, avec vous. Du coup, j'ai mis un petit chemisier que j'avais acheté sur Vinted et que malheureusement j'ai taché avec du vernis ongles et ça ne va pas partir. Mais bon, on fera genre, on ne voit pas. J'ai mis aussi une jupe Bershka. Des collants, je crois que c'est des... Comment? Calzedonia. Et j'ai mis ces bottes que j'ai depuis assez longtemps. C'est des Look Like Summer. Et en fait, je les avais jamais mises parce que je trouvais que ça faisait trop chaboter. Chapoter, je sais pas comment on dit. J'avais les mollets trop fins. Et là, vu que j'ai pris un peu de poids, bah, je trouve que ça fit mieux. J'ai mis ce manteau de chez Mango que j'ai acheté, je crois, en 2020. Que j'aime beaucoup. Et ce sac. Qui est mon sac classe que je mets tout le temps, c'est un Zara. Voilà, je montrerai le après au niveau de ma coiffure. Les amis, je suis de retour de chez le coiffeur. Écoutez, c'est très clair, comme vous pouvez le voir. On a aussi bah, coupé tout ce qui était mort. Là, je pense qu'on est pas mal au niveau des longueurs. Par contre, voilà, au niveau de ici, là, les longueurs de devant. C'est compliqué, écoutez, il va falloir encore un peu de temps avant que je retrouve mes longs cheveux blonds. Donc voilà, écoutez, c'est jaune, hein. Là on voit pas, c'est jaune malheureusement parce que mes cheveux virent systématiquement au jaune quand ils sont décolorés. Ça va passer, donc voilà, écoutez, c'est fait, au moins ça fait un peu plus clean que les différents types de couleurs que j'avais avant. Donc je me suis dit que j'allais un peu vous montrer. Au niveau des produits que j'avais terminés, ce que j'ai racheté ce mois-ci, sachant que ça fait très exactement 3 mois que je n'ai pas acheté de vêtements. Donc voilà, je trouve ça bien. Je vais m'occuper d'ailleurs la semaine prochaine de faire tout un tri au niveau de mon dressing. Je vous jure, j'ai envie de garder le strict minimum, parce que je me rends compte que je m'habille un peu toujours pareil avec les mêmes choses, que souvent j'achète par impulsion et que je ne mets pas. Donc je vais donner beaucoup d'habits et je vais également mettre des choses sur Vinted. Et d'ailleurs j'avais pensé vous mettre aussi sur Vinted ben, tout mon stock de bijoux que j'ai, que j'avais commandé pour ma marque de bijoux, vous les mettre à moindre coût. Sur Vinted on sera autour des 15 euros, donc je vous le mets en barre d'infos. Je pense que je vais m'en occuper la semaine prochaine, je vais acheter des petites enveloppes un peu sympas pour vous envoyer tout ça. Mais tout ça pour dire que j'ai acheté vraiment ces derniers temps que le strict nécessaire. Et donc notamment en termes de cosmétiques, je vais vous montrer, vu que j'ai eu un peu un rebond de l'acné avec l'arrêt de la pilule, etc. Moi, ce que j'utilise dans ces cas-là, c'est ce sérum qui est super de chez SVR. C'est le Sebia Clear. Il est génial, c'est le meilleur sérum, voilà, je trouve, et puis il matifie bien la peau, il empêche de devenir grasse, donc le sébum s'accumule et que ça fasse plein d'imperfections, je trouve qu'il limite bien la casse. Donc je l'ai racheté, voilà, ce mois-ci. Ils ont repackagé d'ailleurs, et voilà, c'est vraiment ma valeur sûre, c'est le troisième du coup que j'utilise. Je suis très fidèle à ce produit.
Ensuite, j'avais un sérum pour les pores de chez Dr. Jart, Pore Remedy, comme ça, au PHA. Et écoutez, il coûte 40 euros. C'est à l'époque où vraiment je travaillais, je gagnais bien ma vie. Je testais un peu tout et n'importe quoi en termes de cosmétiques. Et là, je veux dire que ça me choque de foutre 40 euros dans un sérum. Donc, j'ai acheté de la marque SVR cette micro-pile Sébia Clear Eau Rénovatrice, donc de la même gamme que le sérum. Et voilà, qui désincruste, lisse un peu la peau. Donc voilà, écoutez, je trouve qu'elle est bien. J'ai eu une période un peu compliquée pendant mes règles là en termes de boutons, mais sinon, ces produits, cet ensemble de produits me permet de bien limiter la casse. Ensuite, en termes de maquillage, j'avais terminé cet eyeliner de chez Kiko parce qu'en fait, il est devenu tout sec et du coup, j'ai racheté mon eyeliner préféré de chez NYX. Vraiment, je ne dévierai plus jamais du droit chemin. Je n'achèterai que lui parce qu'il est vraiment très très bien. Le Epic Ink Liner, et il est génial. Vraiment, il tient bien. Là, je l'ai mis tout à l'heure et je ne sais pas si vous voyez, mais il n'a vraiment pas bougé. Écoutez, j'ai pas assez. J'ai acheté ça, là, du coup, que j'ai mis toute la journée. Chez Avril Cosmétiques. En plus, c'est vraiment pas cher. Je crois que c'est 5 euros. Et j'en ai plein d'autres de chez Avril. Crayon rouge à lèvres. La teinte, c'est châtaigne. Je trouve que c'est hyper joli. Attendez, je vais vous montrer. C'est vraiment une de mes teintes préférées. Et du coup, quand elle part dans la journée, ça estompe un peu la couleur, mais ça fait un peu lèvres mordues. On n'est pas sur un truc caca et tout ça, donc j'adore. J'avais celui-là aussi de chez Avril de longue date. Donc celui-ci, que j'aime beaucoup, un peu nude. Et j'ai aussi celui-ci, et ça c'est la couleur grenadine, un peu plus pétant. Un achat un peu papeterie, j'ai acheté ce petit carnet chez Sostren. Et du coup c'est mon carnet de psychologie, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mais là je suis en plein travail avec du coup ma psychologue. On va notamment faire de l'EMDR, donc elle me demande de faire différents exercices. Et voilà, je me suis dit que ce carnet allait être dédié à ces exercices. Et on va bientôt commencer du coup l'EMDR, mais il fallait que je sois dans un meilleur état d'esprit pour le faire. Donc écoutez, j'espère que je la vois la semaine prochaine. Voilà, j'espère que ça ira, qu'on puisse un peu attaquer le mal à la racine. Je me suis acheté des livres. Je me suis beaucoup réfugiée dans la lecture, je vous avoue. Comme je vous l'ai dit, j'ai viré Insta, TikTok de mon téléphone. J'y suis retournée, je crois, une fois. Je me demande si c'est il y a un peu plus d'une semaine. Franchement, ça m'a gonflée rien que d'y aller quelques temps. Bien sûr, je ne parle pas des messages que je reçois, auxquels je réponds très lentement d'ailleurs. Je suis désolée. Je vous ferai un bilan de toute façon de mon arrêt des réseaux sociaux. Là, ça fait plus de 2 mois. Écoutez, c'est une des meilleures décisions que j'ai pu prendre. Et du coup, moi, je me réfugie beaucoup dans la lecture maintenant. Tous les temps, en fait, que j'aurais dédié à aller traîner sur les réseaux sociaux, qui me font pas du bien, bah, à la place, je lis et j'essaie de lire des choses qui vont m'aider, en fait. J'essaie de mettre ce temps à profit. Donc je me suis acheté plusieurs livres. Donc déjà j'ai terminé Super étranglement d'Amélie Nothomb. J'ai adoré. Je pense que je vais aller racheter des livres d'Amélie Nothomb. Ça tombe bien, elle en a fait plein, je crois plus d'une trentaine. Puisque j'ai adoré son style et j'ai adoré ce livre. Donc voilà, je vais continuer à acheter ces livres. Je me suis acheté ce livre, Guide des égarés de Jean d'Ormesson, que j'aime beaucoup. Je vous avais publié en short un poème de Jean d'Ormesson, Le train de la vie que j'adore. Et ça, c'est un livre un peu quand on est en crise existentielle, ce qui est mon cas en permanence en fait. D'ailleurs, je voulais remercier Raphaël, Carrel, si tu passes par là. J'ai été très touchée par tes mots dans ta dernière vidéo. Voilà, ça me fait très plaisir. Je te connais aussi. D'ailleurs, on a travaillé dans la même entreprise. Et voilà, j'ai été très touchée aussi par ce que tu as dit sur le sens de la vie, puisque
Voilà, c'est des questionnements que j'ai aussi beaucoup, des choses qui m'ont rendu malade pendant longtemps. Là, j'essaie un peu plus de créer le sens que je veux, ce à quoi j'aspire dans la vie, mais c'est une problématique qui peut beaucoup revenir selon le type de personnalité, je pense. Du coup, ce livre guide des égarés de Jean d'Ormesson. Donc, c'est plus une sorte d'essai philosophique sur la vie, ce que ça représente, ses composantes. Et voilà, ça fait à la fois peur parce que ça nous met face à des réalités qu'on préfère oublier. Ça recontextualise un peu le sens qu'on peut donner à la vie, les choses dont on peut profiter, ce que ça représente philosophiquement et tout ça. Et à la fois ça me terrifie de le lire, à la fois ça me réconforte beaucoup. Donc voilà, je te conseille Raphaël, si tu passes par là, je sais que tu es un lecteur aussi. Et voilà, je le trouve très beau, très poétique. Je l'ai presque terminé. Il se lit assez vite. Il y a environ 120 pages. Donc voilà, je vous conseille ce livre si vous vous questionnez un peu autour du sens de la vie. J'ai acheté également ce livre du médecin psychiatre Christophe André et de François Lelore qui s'appelle L'estime de soi, s'aimer pour mieux vivre avec les autres. Voilà, vu que c'est ma problématique principale, l'estime de soi, j'ai acheté ce livre. Donc il y a beaucoup d'études quantitatives et tout ça. Moi j'adore ça, des faits un peu scientifiques qui nous aident un peu à décortiquer l'estime de soi, etc. Là j'en suis à la page 50. Écoutez, je pense que ça va m'aider dans mon cheminement vers le fait de mieux m'accepter, le fait de mieux m'estimer. Oui, et aussi j'ai terminé, vous savez, cette cure Forcapil Croissance. Et je l'ai trouvée très bien. Enfin, j'ai trouvé, je sais pas si vous aviez remarqué, que mes cheveux avaient quand même un peu poussé là avant que je les coupe. Écoutez, je l'ai trouvée très efficace, donc j'ai recommandé. J'avais ce livre depuis très longtemps que je n'avais jamais lu. Oui, je crois qu'il date de 2017. Il s'appelle Soigner l'esprit, guérir le corps. Donc, du médecin psychiatre Mona Lisa Shoes et de Louise Hay. Écoutez, il est bien à prendre un peu avec des pincettes, puisqu'il y a pas mal de choses un peu spirituelles, etc. En tout cas, moi, je prends ce genre de données avec des pincettes. Mais ça fait sens et je pense que je suis très cartésienne, mais il faut aussi que je m'ouvre un peu à la psychologie et les conséquences que ça a sur le corps, en tout cas en termes de maladies, etc. Voilà, je trouve qu'il est très bien, il y a des cas réels de patients et tout ça. Donc voilà, je le lis tranquillement. Et ça parle de dépression, ça parle d'anxiété, ça parle de mal-être, de difficultés d'endormissement, d'essayer de comprendre un peu le corps et ce qui peut être relié à l'esprit, etc. Donc écoutez, je lis ça avec attention. Et je sais pas, de lire tous ces livres un peu scientifiques et tout ça, quand je suis pas bien, ça me rassure parce que je me dis que des gens ont déjà planché sur le sujet, cherchent des solutions, donc je me sens moins seule. Je me dis que je mets le temps où je suis pas bien aussi à profit pour tout explorer. Donc voilà, encore une fois, c'est très axé santé mentale mes vidéos. Voilà, j'essaie de trouver un peu un entre-deux entre le lifestyle et la santé mentale, mais bon, vu que ça fait partie de ma vie, voilà. Écoutez, je pense qu'on va se faire une petite routine un peu sympa pour cette fin de journée. Je vous avoue que le moral n'est pas non plus exceptionnel. Donc demain, je vais essayer d'aller au sport, de me faire un bon petit déj. Il va faire beau, je vais essayer de voir une amie. Ça fait une éternité que j'ai pas vu de gens, à part mon copain, bien sûr. Et donc là, je vais aller me faire une petite session de démaquillage, une petite session tranquille. On va faire ça ensemble. On va essayer de passer une bonne soirée. Mon copain va préparer un super plat en plus. Donc voilà, j'essaie de me concentrer sur le positif. C'est parti. On va essayer de se faire une petite session skincare agréable. On va essayer de se détendre, de laisser filer ce moment un peu, voilà, un peu de tristesse. J'essaie de faire en ce moment, c'est de me dire, et c'est pas, ça dépend du degré bien sûr, du mal-être, etc. Mais c'est de me dire, ok,
On va pas focaliser, on va pas paniquer. Le mal est là, entre guillemets. On fait des petites choses pour soi. Donc ça peut être que manger. Moi c'était ça, c'était manger. Même pas me laver, je vous avoue, je suis pas arrivée là certains jours. Par contre le sport, j'ai réussi à y aller 2 fois par semaine. On déroule ça et on verra plus tard. On verra plus tard pour le reste. Le soir, j'essaye vraiment de prendre du bon temps, entre guillemets, donc c'est-à-dire de regarder les choses qui me font du bien, on va en parler après, et de me dire on verra demain. Et si demain ça va pas, et ben on verra le surlendemain, etc. On essaie de pas dramatiser. Voilà, mais le temps est un peu long. Surtout quand c'est plusieurs jours, plusieurs semaines d'affilée. Donc écoutez, je vais me débarbouiller. C'est d'ailleurs l'une des maquillages de chez Sisolmi, au calendula coco, voilà, qui est très bien. Et que du coup, on mouille comme ça et ça se transforme un peu en lait. Et voilà, moi je fais vraiment toujours le double nettoyage. C'est-à-dire que je nettoie ma peau d'abord avec une huile et ensuite avec un nettoyant du sang. Là, c'est le moment un peu critique. Je vous reprends après. En termes de nettoyant, j'ai utilisé celui-ci de chez Anuva Earthleaf Pore Deep Cleansing Foam. Et donc ça, je l'avais acheté sur le site de skincare coréenne Stylvana. Ça va bientôt faire un an parce que je l'avais... Ah, vous voyez bien là que c'est jaune. Enfin bref, je l'avais commandé en novembre de l'année dernière. Et en vrai, je pense qu'il va bien me durer un an. J'en mets très peu à chaque fois. Et voilà, il est très bien. J'ai fait le ménage hier. Ça, j'ai réussi aussi à le faire. Écoutez, je me rends compte en vous parlant que j'ai quand même réussi à faire... pas mal de choses et qu'il faut se féliciter de ça parce que c'est pas une mince affaire quand même. Je vais vous montrer un peu. Là on a Mimi qui fait joujou. On a beaucoup fait joujou aussi avec Mimi. D'ailleurs je vais vous la montrer. T'as toujours des petits bobos quand même, mais ça va un peu mieux. Pas vrai ma chérie. Parce que là voilà, j'ai fait vraiment tout mon ménage et ça fait du bien pour repartir sur de bonnes bases. Voilà, je vous montre un peu le salon. Je vous l'avais, je crois, jamais montré en entier. D'ailleurs, oui, j'aimerais bien vous faire un appartement de tour. Ça viendra. Je pense qu'il y a encore quelques petits trucs que je dois un peu modifier. Donc, notamment dans l'entrée, en fait, on a un canapé qu'on n'arrive pas du tout à vendre. Et il est là depuis un an. J'aimerais bien le virer quand même avant. Donc voilà, je vais faire ma petite skincare. D'ailleurs... écoutez, je vais allumer des bougies parce que la vie est plus douce quand on met des bougies quand même. Surtout quand on n'a pas le moral, ça réchauffe un petit peu le cœur. Donc je vais m'allumer quelques bougies. Ça c'est trop mignon, regardez. C'est une amie qui m'a confectionné cette bougie. Et c'est-à-dire qu'elle a carrément fait le pot et puis ensuite elle a fait la bougie. Voilà, je la trouve exceptionnelle, c'est tellement mignon. Et je n'ose pas l'allumer. Mais écoutez, je me dis que je vais l'allumer, ça va me porter bonheur, je vais faire un vœu. Et c'est pour ça que j'aime l'automne, parce qu'en fait, en soi, on peut mettre des bougies toute l'année, mais voilà, je vais essayer à fond, en tout cas, de profiter des petits plaisirs que va nous offrir l'automne. Donc, je pense les balades... dans un parc avec les jolies feuilles toutes brunes, les jolis feuillages. J'avais fait une balade magnifique avec une amie, je vous mettrai des photos. C'était en 2021, on avait fait une très belle balade à Montmartre. Et voilà, vous me demandiez un peu dans la FAQ que je vais vous tourner cette semaine, promis, des moments que j'ai aimés dans ma vie et tout ça, ce moment-là en fait partie. J'ai une énorme nostalgie de cette époque. Mais écoutez, on va essayer de se créer des jolis souvenirs ici aussi. Donc après, ce que j'aime bien faire, j'ai une petite bougie manège. Je vais vous montrer. Voilà, j'avais acheté ça, oups, chez Ikea. C'est au pain d'épices, cannelle, etc.
Et donc ça, j'aime bien en mettre, ça parfume un peu. Et je vais essayer de faire un peu de cuisine aussi. Parce que du coup, l'avantage avec l'automne, entre guillemets, bien que l'inconvénient ce soit la pluie, le mauvais temps, le froid et tout ça, l'avantage que je trouve, c'est que je suis beaucoup plus créative moi dans ces périodes-là, vu que je dois rester à la maison. Là, j'essaie de, enfin en tout cas à l'intérieur, j'essaie de m'occuper du coup et je m'occupe notamment en faisant des choses plus créatives. Donc je pense que la prochaine activité créative, ce sera de tester la maison, la petite boutique miniature. Et j'essaierai peut-être de me remettre un peu à la peinture. Du coup, regardez comme c'est mignon. Voilà, j'aime trop les ambiances comme ça d'automne. Mimi, où est dans votre petit tunnel? Maman vous voit. Coucou. Yamou. Bon, oui, Yamou. Vous avez l'air bien pensive. Vous êtes mignonne. Trop mignonne, les filles. Allez, donc je vais faire ma skincare. Je vous ai montré en fait, du coup, essentiellement ce que j'ai en ce moment. La petite lotion. Hop. Donc ensuite, petit sérum. Et en fait, il fait vraiment un fini, je sais pas comment dire, un peu poudré, ce qui fait que le matin, je me réveille, j'ai pas le front gras ou la peau grasse, alors que d'habitude, si. Et après, j'ai mis ça, c'est une huile à lèvres bien nourrissante de chez Typologie. Écoutez, je vais voir un peu ce que je pourrais regarder sur YouTube pour en attendant de manger. Puisque du coup là c'est mon copain qui prépare à manger le soir. Moi je m'occupe du déj et du petit-déj. Et lui il s'occupe de faire à manger le soir et il adore cuisiner. Autant dire que je suis une grosse chanceuse parce qu'en plus ce soir il nous prépare un truc super. J'ai hâte de vous montrer, je vais vous montrer un petit peu plus ce qu'il me prépare quand même parce que ça vaut le détour. Je vous avoue que je regarde beaucoup de contenu un peu santé, comme d'habitude. Je vous mettrai en barre d'infos les contenus que j'ai aimés récemment. J'ai beaucoup aimé le documentaire Kaizen, du coup, de Inox Tag sur son ascension de l'Everest. Voilà, moi je trouve ça bien que quelqu'un qui est son audience, son influence, ait envie de porter des messages comme ça. Donc après, j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de critiques. Quand on a autant d'envergure, en fait, je pense qu'on ne peut pas y échapper. Mais je me dis, il a beaucoup de force de frappe. Il met ça au service d'un message fort, de valeur que je trouve très belle. Et voilà, moi je salue ça, puisque je trouve que sur les gens qui ont une grande audience, c'est soit du divertissement, chose très basique d'influence, mais des choses un peu plus profondes comme ça, je trouve que c'est pas trop abordé. Et surtout des messages positifs comme ça, des choses qui donnent à réfléchir, je trouve que ça fait du bien. Et j'ai adoré ce docu, je vous le mettrai en barre d'infos si vous l'avez pas déjà vu, ce qui m'étonnerait. Vu qu'il a fait beaucoup de vues. Et écoutez, là, je regardais un peu ce que je pouvais visionner en attendant de manger. Et j'aime bien regarder aussi les interviews légendes. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est des super entretiens avec des gens, soit qui ont eu des situations de vie particulières, soit qui font des métiers hors du commun. Et là, il y en a un qui vient de sortir sur un psychiatre de tueur en série. Bon, c'est pas très gay. Je vais quand même regarder parce que moi qui adore tout ce qui est psychiatrie et tout ça, je vais regarder. Je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà, je vais me poser tranquillement dans mon petit fauteuil et je vais regarder ça avant de manger. C'est magnifique.
c'est des tagliatelles de riz avec du coup des crevettes, une sauce citron vert, poivron vert et des petits oignons nouveaux avec des graines de sésame et des lamelles de carottes. On va se régaler. Bon les amis, je suis bien raplapla, mais j'ai ma petite Mimi. Je suis désolée, la qualité est ignoble. Je suis avec Mimi et on regarde Grey's Anatomy. Et du coup, le soir, je regarde Malcolm. Quand je suis avec mon copain, on regarde Malcolm. Et j'aime beaucoup. C'est une de mes séries qui me fait le plus rire, qui me change le plus les idées. J'ai tout à fait le type d'humour de cette série. Enfin, je sais pas comment dire. Mais du coup, quand on mange, on met Malcolm et voilà, ça me fait toujours rire et j'aime beaucoup. Et j'ai commencé aussi Six Feet Under, je sais pas si vous connaissez. C'est une vieille série. Et j'ai commencé, j'ai bien aimé. Donc voilà, je vais me poser tranquillement, je vais dormir tôt et demain j'essaierai d'aller au sport. De me faire un petit déj le matin. Et il va faire beau, donc je vais essayer de faire une sortie avec mon copain, voir une amie, ce genre de choses. On se retrouvera demain. Les amis, il est assez tôt. Je me suis levée et écoutez, je trouve que mes cheveux sont jaunes. Désolée, c'est un peu futile, mais en fait, je suis un peu saoulée. Parce que j'ai payé ça cher et je trouve que... Enfin, on voit pas. À la caméra, ça a l'air bien. Je vous jure que c'est jaune pétard. Du coup, je me suis préparé une patine et je vais la mettre sur le dessus. Une patine Redken beige glacée. En attendant que ça pose, je me suis fait du coup mon petit déjeuner. Un peu comme d'habitude, normalement je mets deux fruits et là en fait j'ai des pommes dans le frigo mais ça me fait pas trop envie. Donc écoutez, banane, yaourt coco, beurre de cacahuète, flocons d'avoine, mélange de fruits à coque et chocolat noir 90% avec du coup des graines de chia. Bon, les amis, c'est un poil mieux, mais c'est pas encore ça. Donc écoutez, je vais pas me prendre le chou. Je vais aller au sport, me changer les idées. Ça va me faire du bien. Et écoutez, on se retrouve après. Il fait beau, j'ai envie d'aller dehors aujourd'hui. Je vais me motiver. On se retrouve juste après. J'ai une veste comme ça à boutons de chez Zara. En dessous, j'ai un pull Another Stories, le même sac qu'hier. Un jean Zara, des petits bas Resi comme ça, j'aime bien. Et mes Doc Martens. On va aller manger des bonnes choses. On se retrouve après. Les amis, je suis très contente de vous retrouver. J'allais partir dans un petit parc, faire une balade, un parc où je ne suis jamais allée, voilà, pour profiter du soleil, de l'air frais et puis de la nature. Ça va mieux, voilà, j'ai eu depuis hier des jours plus calmes, donc je suis reconnaissante et là j'essaie de m'activer. Voilà, je suis restée pas mal de temps au lit à attendre que ça passe. Et écoutez, là, c'est passé. Donc, je ne sais pas pour combien de temps. Mais écoutez, on va essayer de ne pas réfléchir. Juste profiter de ce beau temps. Et je vous emmène avec moi. Beau ici, je vous mettrai des images et
Il y a du soleil. J'en profite. Je suis tellement reconnaissante d'avoir les idées claires aujourd'hui. D'avoir en fait tout simplement comme une paix mentale qui des fois arrive comme ça. Et quelle sérénité. Vraiment, quand c'est aussi dégagé dans ma tête, je sais pas, j'apprécie encore plus. Il y a des gens avec leurs chiens qui se baladent. Il y a une dame qui a donné du pain aux canards. Je vous ai filmé ça. Ils se sont tous rués sur elle. Il y a un joli lac. Vous entendez le bruit des canards? C'est tellement mignon. Et je commence même à avoir un peu chaud. Je me sens vraiment très en harmonie avec la nature. Je vous jure que mon rêve, c'est vraiment d'avoir une maison à la campagne. Un chalet. Un chalet à la campagne. Avec des chèvres. Parce que j'adore les chèvres. Ça fait du bien de... Ça fait quelques mois maintenant, mais j'ai réussi à recommencer à rêver un peu. Enfin, en tout cas, à savoir à quoi j'aspirais. Et c'est important, les amis, dans la vie, d'avoir un but, entre guillemets. Moi, je pense que... Je vous en parlerai peut-être plus dans la FAQ et tout ça, mais je pense que mon but, en tout cas, en tant que métier, ça sera un métier... qui vient en aide aux autres déjà pour l'avenir. Et après, en termes de style de vie, ça sera plus d'habiter entouré de nature et d'animaux, parce que je ressens un réconfort immense quand je suis dans la nature, et ça me correspond, je pense, beaucoup plus. Donc je vais profiter de la ville tant que j'y suis, bien sûr, mais voilà, de me projeter, de me dire que j'irai peut-être un jour habiter dans la nature. Ben, de rien, ça me donne un objectif dans ma vie. Et ça fait du bien, du coup, j'arrive un peu à percevoir un avenir. Ce qui peut manquer cruellement souvent quand on est en dépression, on voit pas le bout et on sait pas où on va et tout ça. Mais voilà, le jour où je suis lucide, j'essaie de penser très fort. Bah déjà, j'essaie de rester dans le moment présent au maximum. Là, de ressentir le soleil sur ma peau, d'écouter les petits bruits de la nature. Mais aussi de garder en tête qu'il y a des belles choses aussi qui peuvent nous attendre, même si dans les moments où on est désespéré, on n'y croit pas. Moi, les moments où j'ai une lueur de lucidité comme celui-là, ben je me dis pourquoi pas, en fait. L'avenir. Pourra aussi ressembler à ce que je veux. Oui, la nature, c'est magique. Bon, les amis, je suis de retour chez moi. Je vous avoue que je me suis mise sous la couette et je suis en train de regarder des clips de Sabrina Carpenter. Je vais vous laisser là. Écoutez, dès que ça va, je filme. Et si ça va pas, bah, c'est assez aléatoire. Donc, voilà, je vous promets rien, malheureusement. Mais voilà, sachez que dès que j'ai une fenêtre de lucidité, j'en profite, parce que ça me fait vraiment plaisir de passer du temps par ici. Donc, écoutez, je vous laisse. Et je vous souhaite un très beau dimanche. Prenez soin de vous.